bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais pas trop ça va être quoi comme vidéo, vlog ou chit-chat make-up ou un petit peu des deux. Je suis sur le point de me maquiller, il faut que je sorte, il faut que j'aille à la poste. Il faut que j'aille à la bibliothèque aussi, il faut qu'on aille rendre des livres qu'on a empruntés avec Léna et Emma. J'allais acheter mon shampoing sans sulfate, voilà, à la pharmacie, j'allais dire à la boulangerie. Et puis on ira peut-être prendre un goûter aussi avec Léna parce que du coup Emma dormit chez ma maman. J'étais chez ma mère donc elle m'appelle hier, elle me dit viens et tout, j'ai acheté des super pâtisseries, il faut absolument que tu goûtes. Elle m'a dit, d'ailleurs mes boucles, je les ai fait avec mon lisseur, vous avez été nombreuses à me demander comment je faisais. J'avais fait un tuto il y a 3 ans de ça, je vous mettrai en fin de cette vidéo là. C'est avec mon lisseur, j'ai pas de boucleur et franchement vous allez voir c'est super simple. Ouais ma mère elle me dit... Elle sait que moi, si tu me parles de bouffe, je réapplique en moins de 2. Donc j'ai réappliqué en moins de 2 et après je me suis avisée, je me suis dit écoute, parce que vous avez remarqué que j'ai grossi. Genre, je sais que c'est pas trop beau et que je rentre plus dans certains de mes vêtements, mais en fait, moi je suis bien dans ma peau, c'est plus le regard des... En fait, c'est plus les gens qui sont gênés que moi-même, c'est drôle. Enfin, c'est drôle, non, c'est inquiétant quoi. Comme si les gens se préoccupaient vraiment de mon poids. Mais bon... Tu vois, grâce à ça, j'ai pu me mettre à la place des personnes grosses, des personnes obèses. Et c'est là où je me suis rendu compte que ouais, ça doit pas être facile. En fait, le regard des autres au quotidien, les remarques, que ce soit la famille, l'entourage, dehors et tout. Non, quand je suis dans un groupe de copines ou quoi, bah, c'est moi la grosse de service. Mais mon mari, franchement, il aime trop. Il aime trop mes formes. D'ailleurs, là, j'ai perdu un petit peu. Il m'a dit, mais pourquoi t'as perdu? Pourquoi tu te prends la tête et tout? J'ai pas envie de perdre grave du poids, mais genre 3-4 kilos. Ne pas grossir surtout, c'est ça le vrai challenge, c'est ne pas grossir parce que du coup mon estomac s'est agrandi et j'avais tendance à pas mal grignoter entre les repas, donc il faut que j'arrête. Après voilà, je me frustre pas. Je réduis un petit peu mes quantités, j'évite de grignoter, mais je mange de tout, genre pizza, féculents. Voilà, je me suis pas mis aux légumes verts ou je sais pas quoi. On verra ce que ça donne, ce petit régime entre guillemets. C'est plutôt un rééquilibrage alimentaire. On verra ce que ça donne et peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous dit. Mais vous êtes plus nombreuses à me demander comment j'ai grossi. Et je crois qu'il y a plus en fait de minces maigres qui aimeraient grossir en fait et qui me suivent plutôt que l'inverse. Je suis en train de regarder les Real Housewives en même temps. Donc je suis désolée pour le bruit. J'aime trop cette série. Je m'en lasse pas de ces filles. Enfin, c'est des femmes. Elles sont assez âgées et elles sont genre elles sont milliardaires et tout, elles vivent à Beverly Hills et franchement elles font trop rire, je les kiffe trop. Donc voilà dans quel mood je suis, tout ça pour vous dire que ma mère donc elle m'appelle et donc j'ai été chez elle et tout pour manger les pâtisseries et finalement après je me suis dit non, parce que telle que je connais ma mère, elle achète 8 pâtisseries et on va toutes se les enfiler les unes après les autres. Si je commence, je m'arrête plus. Elle était là à m'ouvrir ses tupperwares. Ah, Tata Isha, elle a ramené des brages d'Algérie. Ah, la marraine Nadia, elle a ramené des macroudes. Tiens, Tata Zora, elle a fait des brages. Vous savez, c'est les gâteaux arabes, là. Je m'arrête plus, genre un tel amante, après on papote, après un café au lait. Et voilà que je bouffe. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas manger. Et demain, j'irai me faire un kiff. Donc on ira peut-être tout à l'heure manger un cheesecake avec... avec Lélé, soit un cheesecake, soit une taropésienne. On verra. J'ai mis, comme fond de teint, j'ai mis le Milani Conceal Perfect. Juste avant, j'avais mis cette base-là de chez Clarins 6 minutes, qui est pas trop mal. Et l'anti-cerne que je suis en train d'estomper, c'est le Undercover de chez Dior. Mes sourcils, je les ai déjà faits, j'espère que je vais pas les retaper. J'ai commandé des trucs pendant les soldes, je vais vous montrer mes 2-3 achats aussi que j'ai reçus. Il me semblait que j'avais pris mon maquillage, mais non. Donc j'arrive. Et je suis là, je crois que j'ai pris tout ce qui me manquait pour pouvoir me maquiller. J'ai cassé ma palette Huor Cosmetics. Je suis trop dégoûtée parce que je la kiffais à la folie celle-ci. Je peux pas. En fait, c'est les highlighters qui sont pétés, pas le bronzer. Mais vous avez vu un peu le massacre et franchement, j'ai même pas osé la jeter tellement je la kiffe trop. Elle est vraiment bien. Je vais creuser un petit peu mes joues, je vais mettre un accéléré, je vous reprends après. J'ai fini de me maquiller, quand je me pose devant les Real Housewives, j'arrive plus à bouger mes fesses du salon et je crois que je pourrais me regarder mais toute une saison sur mon canapé comme ça. Je vais boire un coup, j'ai trop soif. J'ai fait infuser du thé dans de l'eau, ça m'évite de boire du coup du sirop, du coca, tous ces genres de trucs là. D'ailleurs je vais me mettre le lait corporel
avant de m'habiller de chez Nocibé. Ils sont trop trop bons. Il m'en reste presque plus, je suis trop deg. Je remercie Nocibé vraiment de me l'avoir envoyé parce que c'est une tuerie. Il me rappelle la brume de chez Nux, en moins cher du coup, parce que la brume de chez Nux, je crois que c'est 30 balles. Je vais me la racheter d'ailleurs parce que je la kiffais trop. Mais ça, c'est une bonne alternative. Ça sent le monoï un petit peu, je sais pas comment vous dire. Ça sent l'été, c'est frais, c'est sensuel en même temps. C'est trop de la bombe, en plus ça hydrate vraiment bien. C'est au parfum ylang ylang et orchidée. Et d'ailleurs, ils m'ont envoyé le gommage pour le corps qui va avec. Franchement, la gamme Borneo Vibe. Si vous tombez dessus chez Nocibé, foncez, ça sent trop bon. Je sais que moi, bah, je m'expose vachement au soleil. Et avant de m'exposer au soleil, comme j'ai envie de garder mon bronzage, je gomme ma peau. Ça enlève les peaux mortes et tout ça, ça permet d'être vraiment propre. Et du coup, vous aurez plus de chance en faisant un gommage corporel avant de vous exposer au soleil, de garder votre bronzage, que si vous ne l'avez pas fait, après vous allez peler. Et pareil, je vous conseille en fait de bronzer à l'indice 50 ou 40 pour commencer, pas mettre de l'huile, des trucs comme ça et tout. Ou sinon vous allez cramer et c'est vraiment très mauvais pour l'accélération du vieillissement cutané. Si vous n'avez pas envie de ressembler à un pruneau dans 3-4 ans, franchement je vous le recommande. On a souvent tendance en fait, surtout bah, quand on a 25 ans, 20 ans et tout, on pense pas à ça, on croit qu'on a le temps, mais croyez-moi, je vais pas vous déprimer, mais ça passe plus vite que prévu. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo sur la trentaine, sur mon bilan, sur ce que j'ai ressenti. Même si je fais un peu un déni, pour moi j'ai pas 30 ans. Avant je disais que à 30 ans t'étais vraiment vieille. Après franchement j'ai vraiment compris que c'était dans la tête. Quand les vieux disaient ouais mais là c'est dans la tête, je me disais mais c'est bon, c'est des vieux, ils veulent juste se mentir à eux-mêmes et se trouver des excuses. Finalement je vous assure que c'est vrai, c'est dans la tête. Des fois j'agis comme une merdeuse et je me dis mais calme-toi, t'as 30 ans, il faut que t'aies la stature de quelqu'un qui a 30 ans. Et puis non, merde, j'ai envie de vous dire, chacun est comme il est. On évolue avec des connaissances, avec du savoir, mais je pense pas que ça périme. Donc voilà, ça sent trop bon. Je vais m'en mettre aussi sur les jambes. Franchement, cette odeur, mais je vous jure, je m'en lasse pas. Du coup, après vous exposer au soleil, surtout, hydratez-vous la peau, parce que bah, c'est pareil, sinon vous risquez de peler. Donc hydratez-vous bien. Mais moi, dans tous les cas, que je m'expose ou non, je vais m'hydrater, parce que j'ai une peau très sèche. Que ce soit le visage ou le corps et tout, c'est un truc de fou. Ça fait 250 ml, disons que ça me fait 2 semaines quoi. D'ailleurs, il faut que je m'achète une crème pour le buste. Je crois qu'ils en faisaient chez Yves Rocher. Je sais pas où est-ce que je peux en trouver, mais pareil, vous savez, les vieilles, elles ont tendance à être vachement fripées en fait, ici, sur le buste, dans le cou. Et il faut vraiment pas oublier en fait d'hydrater. Par contre, je vais pas me malaxer les yens devant vous. Donc on se reprend tout de suite, je m'hydrate le cou et les seins et j'arrive. C'est bon, mes petites mamelles sont hydratées et aussi surtout tout en haut là. Hop, je vais finir aussi par m'hydrater les mains. Donc les crèmes Yves Rocher, les crèmes Sephora, moi je les dégomme surtout pendant les soldes. On oublie souvent, moi ça va parce que j'ai la peau sèche donc ma peau elle me tiraille et ça me rappelle qu'il faut que je m'hydrate les mains. Mais on a tendance à oublier pareil que ses mains ça s'hydrate. Faut pas oublier de se laver les mains en rentrant, mettre du gel hydroalcoolique. Pareil en fait, le gel hydroalcoolique, moi je m'en sers, mais il faut aussi quand même se laver les mains parce que du coup le gel hydroalcoolique, il va rester sur vos mains. Hydratez-vous les mains parce que ça trahit en fait les mains et les pieds. Et après quand c'est fripé, hein. Par des injections, on ne peut rien faire. Je vais aller m'habiller et puis je vais vous présenter deux paires de pompes, deux trois articles que j'ai achetés pendant les soldes. Je voulais vous faire un haul solde, finalement j'aurai pas le temps, je pense que je vous montrerai comme ça dans les vlogs. Je vais m'habiller, je reviens. Du coup, en tout cas j'aime beaucoup le rendu du make-up. J'ai reçu, donc j'ai été contactée par Cosmechic. Cosmechic, donc comme je dis, c'est un déstockage de tout ce qui est beauté, produits pour la maison, make-up, tout ce qui est L'Oréal, Maybelline, Garnier, il y a plein de marques comme ça. Il y avait Bébé Cadom. Les réductions, elles vont de 30 à 80%, je sais pas si je me trompe, ça doit être dans ces eaux-là. J'ai chaud là d'un coup. Ils m'ont proposé donc de tester leur site internet. Déjà, ils m'ont dit est-ce que ça t'intéresserait. Je suis allée voir le site et j'ai trouvé ça super intéressant parce que par exemple si un rouge à lèvres il coûte 15 balles et tu le payes 3 euros sur le site, c'est bien et surtout c'est pas que pendant les soldes, c'est toute l'année. Donc j'ai direct accepté, donc ils m'ont proposé 40 euros, ils m'ont dit tiens pour 40 balles tu commences ce que tu veux. Du coup je me suis fait une petite commande. J'ai déjà ouvert, enfin c'est surtout Emma qui a déjà ouvert, elle adore ouvrir mes colis. Quand il y a des colis elle est comme une folle, elle saute de joie. Je vous mettrai le lien de Cosmechic du coup en barre d'informations.
Et ils m'ont donné un code promo, je crois que c'est 5%. Et pareil, du coup, je vous le mettrai en barre d'informations. Je trouve que c'est toujours sympa. D'ailleurs, la livraison, il me semble qu'elle est gratuite pardon, à partir de 40€. C'est parti. Je me suis commandé ce stick contouring de chez Maybelline. Je l'ai trouvé vraiment pas mal. Donc, vous avez un côté lumineur et un côté genre bronzant. Et donc, à la base, il coûtait 10,88€. Et sur le site, il est à 5€. Il faut savoir qu'il faut se dépêcher, en fait, quand vous mettez des trucs dans votre panier. Parce que ça peut vite passer out of stock. Parce que bah du coup ils ont des stocks assez limités, ça il faut le savoir. Ensuite je me suis pris cette anti-cerne là à corps parfait que j'ai pris en teinte beige dorée du coup en teinte d'été parce que j'ai quand même pris des couleurs. C'est un soin correcteur anti-cerne anti-poche, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et donc de chez L'Oréal, il était à la base au prix de 12€ et sur le site vous le trouvez à 6€, moins 50%, c'est pas mal du tout. J'ai trouvé un emballage. Alors c'était tout sous plastique, hein, mais Emma, voilà, elle a fait son petit truc. J'ai pris un soin pour les cheveux, L'Oréal Total Repair 5. Pareil, j'ai hâte de le tester parce que j'adore prendre soin de mes cheveux. Il était au prix de 14,70€ à la base et il est vendu 5€. C'est 3 fois moins cher. J'ai pris un démaquillant pour cils. Celui-ci, je l'adore, donc il se trouve en grande surface et tout et tout. C'est yeux sensibles, c'est pour ça qu'il est rose. Moi, je le trouvais souvent en bleu. Et donc c'est de la marque Je mets Maybelline. À la base vous le trouvez 4,92€ et il était au prix de 2,80€. Ensuite j'ai pris une lotion tonique il me semble avec de la vitamine provitamine B5. C'est écrit en arabe en fait. Je pense que c'était plus destiné à être vendu genre dans les pays du Golfe et tout en Arabie. Et donc c'est 200ml et lotion tonique vitaminée, c'est bien ça. Donc elle est vendue dans le marché 4€ et là elle était au prix de 2,80€. Donc ensuite je me suis pris un petit rouge à lèvres, j'aimais trop la couleur, c'est vraiment les couleurs comme ça que j'aime beaucoup. Donc c'est un 2 en 1 24h infaillible de chez L'Oréal. Étape 1, couleur vibrante sans transfert. Étape 2, baume hydratant intensificateur de couleur. Donc c'est un rouge à lèvres qui est vendu dans le marché 20€ et là il est au prix de 5€. Donc ça fait 15€ de réduction, c'est vraiment de la bombe. J'ai pris ce lait pour le corps, comme de chez Garnier, je les connais, je sais qu'ils sont vraiment bien. Il est à la sève d'érable et à l'huile de ricin. En grande surface, vous le trouvez généralement à 4,92€ et là il était à 3,30€. Et pour finir, je me suis pris un petit déodorant Cadom, d'ailleurs je vais m'en mettre. Il était au prix de 2,40€ au lieu de 3,20€. Donc Cosme Chic, je valide. Maintenant je vais vous montrer mes 2-3 achats que je me suis fait. Notamment ces chaussures que je suis en train de saigner, c'est les Dorothée Perkins. Alors elles sont arrivées avec un défaut malheureusement. Voilà, ici il manque un petit strass. Je les trouvais trop jolies comme ça en couleur un peu nude. Elles sont vraiment agréables à porter, elles sont légères, c'est parfait pour l'été. Je me suis pris ce short là, je vous ai fait un outfit sur Instagram avec. Ce short, je l'ai acheté chez Zalando Essentiel. Il est de couleur beige, il est vraiment super bien parce que j'aime bien la coupe classique, il existait en plusieurs coloris, il est court mais genre il fait pas vulgaire. Je me suis pris un autre short chez, je crois que c'est Camailleux. Qu'est-ce qu'il est magnifique ce short. Oh, un gros coup de cœur, que ce soit la coupe, que ce soit la couleur. Ça avec un haut beige ou un haut blanc, mais c'est de la bombe. Et la coupe, elle est vraiment très flatteuse. Initialement, il était au prix de 20 balles, mais il était en solde. Les chaussures que je vous ai montrées, celles-ci, elles étaient à 8€. Elles y sont en noir aussi. L'autre short beige que je vous ai monté, je crois qu'il était à 20€. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne suis pas certaine. Et d'ailleurs, j'ai reçu une autre paire de pompes. Ah bah d'ailleurs, je me suis pris un jean. J'ai complètement zappé, c'est Pull & Bear. Je crois que j'ai exactement le même. Bah écoutez, ça m'en fera un deuxième ou alors... Ah bah non, mes sœurs, elles sont pas aussi grosses que moi, j'allais dire, je le donnerai à ma sœur. Mais non, franchement, ils sont trop bien parce que vous avez vu, comme ça fait ici, là, c'est les jeans push-up, ça flatte les fesses. Je me suis pris une paire de chaussures à talons de chez New Look. Elles sont trop jolies. Je vais peut-être les mettre aujourd'hui, je sais pas. Elles sont un peu lourdes par contre. Et comme vous pouvez voir, il y a un gros talon, ça c'est super confort. C'est bicolore, comme vous pouvez voir, là, c'est kaki. Et ici, c'est noir et c'est en espèce de suédine. On y va, Lélé? Oui. Allez, moi, c'est parti. Tu crois que je mets des talons, Léna, ou je mets des chaussures normales pour être tranquille? Des chaussures normales, parce que tu vas marcher pas. Ah, j'ai mal aux pieds, Léna, si. Non, mais de toute façon, on va pas... Ouais, mais on va rien faire de spécial. On va juste aller à la poste, on va aller prendre le café. Vous savez quoi, là, faut que je range le bazar que j'ai mis et qu'on go, parce que si je rentre chez moi et que c'est le bazar dans mon salon et qu'il y a tout le make-up, là, et tout ce que je vous ai déballé... C'est ma pire, c'est quoi?
froid tout ça. Ouais, mais ça va, papa il est gentil, il s'en fout, mais bah quoi. Bah oui, papa il est gentil. Franchement, c'est pas le genre de mec qui va me dire t'as pas rangé ça, t'as pas rangé. Il y avait. Enfin bref, je vais pas parler d'elle parce que c'est bon, je parle assez d'elle comme ça, mais ce qu'il m'a, je pense que je l'ai mis en dep. Mais je sais qu'il y a des maris, ils supportent même pas, genre un cheveu dans la salle de bain, quoi. Donc voilà, je vous laisse parce que je parle trop. À tout à l'heure. Vous savez quoi, on est arrivé devant la bibliothèque et puis deux charmantes dames, elles nous ont dit on peut vous aider. Je dis bah on vient rendre des livres. Elle me dit ah mais non c'est fermé le jeudi. Donc voilà, c'est fermé. Direction. Bah du coup j'ai carrément oublié les courriers que je devais poster. Moi chez Paul. C'est vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Bon bah Léna elle veut absolument aller chez Paul parce qu'elle a adoré leur yaourt là-bas qu'ils font. Du coup tant pis, je prendrai pas de cheesecake. Regarde là, il y a des moelleux, moi j'ai pris un moelleux parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas ce que je voulais. Quoi, tarte au citron? Oui. T'es sûre? Oui. Oh, il a l'air trop bon. Madame, elle s'est pris un yaourt et un gâteau. Tu prends le yaourt. Et un chocolat chaud. Alors qu'il fait chaud déjà. Et moi j'ai pris un gâteau au chocolat. Ah, ça va, un chocolat chaud c'est bon hein. Là, Lélé, regardez. Moi, mon cappuccino, il est plutôt chaud. Elle se régale. Il est trop bon. Ça me manque trop la cafetière Dolce Gusto. Elle s'est pétée, du coup, j'ai plus mon cappuccino. D'ailleurs, tu me fais penser au retour, on passera au casino à Carrefour. Il faut que je m'achète du café. J'ai plus de café. Ce matin, j'ai pas je mis de café. Je te préviens, tu t'achètes du café Kinder Joy. Dentiste, il t'a dit quoi? Léna va mettre son appareil dentaire au mois d'octobre. Non, raconte pas ma vie, s'il te plaît. Non, promis, c'est bon, j'arrête de le raconter du coup. Léna, ça te fait du bien d'être en vacances? Oui. Je croyais que tu voulais pas qu'on raconte ta vie. Je t'ai eu, patate crue. Et des fois, elle me piège en marre. Ah, mais viens, on joue à Niwini, non? Ok. Ça te fait du bien d'être en vacances? Bien sûr. Tu veux vraiment manger un Kinder? Ah, j'adore alors. Eh ben, essaye de me faire dire moi aussi. Ok. Non. Quoi? J'ai vu pas qui est passé. Impossible. Ça va, il y a les coiffeurs. Tu vas pas au coiffeur à Mélan, papa? Dis kiwi, maman. Hors de question. Et toi, normalement, c'est toi t'as perdu, là. Non. Eh ben voilà, t'as perdu, vous avez entendu? Elle a dit trois fois. Non. Est-ce que t'as aimé ça? Mais c'est pas ma tâche de télé, les yaourts, Léna, il y en a plein à la maison, des yaourts. Pourquoi je vais sortir pour manger? Mais je te dis, est-ce que t'as aimé ça? Oui, c'était bon, c'est des yaourts genre t'as dit maison. Oui, voilà. Maline. Elle est venue équiper avec sa Switch et ses cartes. Tu te régales? Mm-hmm. Je vois pas de quoi tu parles. Et 1 euro? Monnaie. Mais je te dois 2 euros. Non. Il me semble que tu m'avais prêté 2 euros quand on était à la poste, Léna. On va lui donner les 2 euros. Après, tu dois m'en redonner 2 à ma mise. Tu voilà. Me les as pris. Ah, mais il faut les demander encore à ma mise. Non, allez. Mais tu plaisantes. Déjà, je l'ai invitée, elle me coûte cher, cette petite. Elle va pas se contenter d'une boisson. Non, mais donne, vas-y, donne, allez. C'est une petite qui coûte très très cher. Au Buffalo, elle fera à la carte. Quand on va au resto, vous croyez, elle va prendre des menus enfants, elle, mais elle prend pas de menu enfants, elle, genre elle prend la carte. Quand tu l'emmènes au McDo, genre elle te dit je veux pas de menu Happy Meal, je veux une salade. Et là tu veux 2 euros ou 6 euros, j'ai pas bien compris. Tu me donnes encore 2 euros. Non mais dites à votre copine, elle arrête de me menacer là. Non, amenez monnaie, elle est. Mais tu vas en faire quoi en fait, j'ai pas compris. Bah, tu vas racheter la Tunisie ou parce que Léna, non, elle est super, elle est dans une Tunisie. Elle est trop économe cette petite. C'est normal, moi je m'achète pas des sacs, des machins, des trucs. Tiens, je te donne 2 euros encore et c'est tout. C'est les derniers 2 euros. Hein. Après, il n'y a plus. Et 1 euro. Il n'y a plus 1 euro. Oh là là, elle donne ton fils. Non mais la prochaine fois, je viens toute seule. Elle a encore faim, elle est comme moi. J'ai perdu un petit peu de poids, mais pas encore trop. J'aimerais encore perdre 2 kilos. Mais là, comme j'avais un peu minci, du coup, je me suis octroyé ce goûter. Donc, voilà. Je vous laisse parce que filmer en pleine rue comme ça, c'est un peu gênant, à part quand on est dans des endroits confinés.